It's been described as a return to sailing as a spectator sport. A glimpse of the future. The most exciting racing ever seen. And that's what Formula 40 is all about. As the international fleet of Formula 40s are towed from their berths in Ocean Village, they prepare to do battle for championship points at the 1986 Southampton City Multihull Grand Prix. Class development has been ensured by the simple structure of the rules to which the boats are built, with a maximum length of 12.18 meters. The boats must have a minimum displacement of 1,800 kilograms. A sail area of 90 square meters, including a jib of no less than 8 square meters, is carried upwind, and 180 square meters downwind. The hulls must be able to accommodate two berths and a full inventory of safety equipment. In these light conditions, with the asymmetrical spinnakers set well forward of the headsail on a fixed boom for downwind jibing, the boat moves deceptively quickly. Many of the catamarans, like Jet 40, favour controls duplicated on each hull for optimum crew positions. However, it's not all catamarans. Trimarans and trifoilers like Triton provide tough competition. So as in all light airs racing, crew concentration is intense, paramount to gain that vital edge to be first at the next mark to drop the spinnaker. And the French cat that started it all back in 85. CNP, designed by Lombard and skippered by Pierre Lemieux, heads down Southampton water. As the wind freshens, so the boats really start to move. And the fleet begins to feel the wind as it jockeys for the best position to drive through the start line. It's important, as the races are short, 2 or 3 hours. And with an expected 20 to 30 knots of wind across the deck, very fast. Once over the start line, it's not only boat speed, but the teamwork and fitness of the five crew that are all part of the essential ingredients for success. But getting over the start line with 13 boats at close quarters charging for their slots at around 15 knots is not always easy. Staying out of trouble, the Southampton Smythe team go for a restart. But for American Olympic Tornado champion Brandy Smythe and his crew, it presents no problem. Getting into trouble, a trifoiler hits a wayward powerboat just ahead of the Orange Windward starting buoy. Sailing a multi-hull at speeds of over 20 knots is extremely exhilarating and demanding on the crew. The boat and its equipment are pushed to the limit. It's hard work, and it's also very wet. As Loic Karadec, who in July made the fastest crossing of the Atlantic under sail of 7 days, 21 hours, 5 minutes in Royale, explains. First, it's very wet, and second, you're always waiting for something to break, and when it doesn't break, you are very happy, and then when something has broken, you repair what has broken, and then you try to develop it and have it better and faster every year. And on the subject of keeping dry? We have oil shoes, wet shoes, his name, but they are not dry at all, so we go at the, within 1 hour of the race, we are wet until the arrival, and we get in a nice shower to get a little bit wetter. I would say it's not the most comfortable way of sailing. We'll be right back.
This, the first year of the Formula 40 Championship, has proved a great success, attracting top yachts and their sponsors, like Gage Neptune, Debroc's Optique Beaumont, Edenec, and many others, all looking for points during this year's series in France, Belgium, and England. Enormous interest has come from France with 8 boats, 2 from Belgium, 2 from Great Britain, and a Smythe team from the USA. The emphasis is on short inshore races to make the spectacle of multi-hulls as visible as possible to spectators. This development need not be restricted to Europe, as the boat's crossbeams are designed to be dismantled, as are the masts, so that they can be shipped in 40-foot containers anywhere in the world. But how did Formula 40 start in Britain? Alan Thomas. Well, I started with Formula 40 last September when I went over to France to arrange, to organise two British events here in 86 and 87. And I'd seen the first Formula 40, which was CNP, Pierre Lamotte's Formula 40 in the Round Britain race, which I took part in. And I agreed that I was organised going to one in Plymouth, which is at the end of May, and the other in Southampton here this time. So it looks as if it's turned out quite a success. It's changed a lot since the original idea is just less than 6 months or 9 months ago. How true that is. Formula 40 has put new vitality into top-class racing without breaking the bank. It's attracted such names as Serge Madec on Michelin's Jet 40, Yves Fauconnier sailing Gage Neptune, one of 3 40s built by the large French production boat builders Jeannot, and designed by Nigel Irons. Its aerodynamically shaped hulls work to good effect in the short seas. This design was also chosen by Philippe Poupon, skipper of the Fleury Michon. By the series, I think next year we see a lot of people like that, very good skipper, this sort of work, because we can do a good race with fun. With 5 Olympic helmsmen already taking part, it's no wonder the racing is fun for both competitor and spectator. And this is just the start of Formula 40. Biscuit Cointreau from France. The Southampton Smythe team. Edenic, Yves Leconnec. Jean Lecam, again for France. Optique Beaumont. Debroc, the only boat with a girl on board. Jet 40, Serge Madec. Roger Gallet, the irrepressible Eric Loiseau. The Smythe team. Randy Smythe from the US gaining 3rd place in the series to Fleury Michon, with Philippe Poupon gaining the highest points at Southampton, and Gage Neptune with Yves Fauconnier in 2nd place.
Cette aventure a changé la vie de tous les participants. Ceux qui ont construit le bateau, ceux qui l'ont conduit à bon port et ceux qui l'ont sponsorisé. L'important n'était pas de gagner, mais de participer. Quel accueil! Croyez-moi, on ne s'y attendait pas. La foule, les ovations, les fanfares, on était tous très émus. Il y a même un homme grenouille descendant d'un hélicoptère qui nous a amené le petit déjeuner en mer. Fantastique, non? Cette deuxième place, croyez-moi, on l'a bien méritée. Comme il y a un début à tout, revenons à l'époque où Côte d'Or avait dans la tête un goût puissant de l'aventure. C'était la première fois qu'un chantier belge sortait un pareil bateau en si peu de temps. 25 mètres en 5 mois. Quelle folie! Mais ils ont réussi grâce à l'enthousiasme et au dynamisme de tous. Il ne suffit pas d'avoir le bateau. Il nous fallait les hommes. Notre équipage fut franco-belge. Pourquoi? Primo, en Belgique, il n'y avait pas assez d'équipiers pouvant se libérer pendant un an. Secondo, il nous fallait des pros pour mettre toutes les chances de notre côté. Merci à Tabarly de nous avoir laissé carte blanche pour choisir nos compatriotes. Et je crois qu'on était dignes de la confiance qu'il nous a faite. Mais partir à 18, quasiment sans se connaître, sans avoir pu s'entraîner aussi peu, c'est un pari insensé. Heureusement qu'il y a eu la face nette, qui nous a déjà permis de voir les problèmes du bateau, juger de sa vitesse par rapport aux autres, se rendre compte qu'il fallait vraiment être des pros. Car tout dans ce bateau est démesuré. Le SPI fait 470 mètres carrés. La hauteur du mât est de 30 mètres. La longueur du bateau atteint 25 mètres. Le poids de la grand-voile prise les 300 kg. Faut pas rigoler avec ces choses-là. Bref, la face nette fut en quelque sorte le petit rodage de Côte d'Or. Les autres concurrents ayant eu un an et demi pour tester et améliorer leur maxi. Mais il est temps de partir pour la grande aventure. Retrouvons-nous à Portsmouth le 27 septembre. Jour J, il va être temps de larguer les amarres. Nous sommes très énervés, très fatigués, car la nuit passée, nous boulonnions encore les derniers aménagements intérieurs. Après tant de mois de travail intensif, c'est le départ. Et subitement,
notre stress s'envole. Bon vent. Durant cette première étape, des hauts et des bas, tant au niveau navigation qu'au niveau moral. Nous décidons de passer par Ouessant. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on accumule un maximum de retard. Car notre option de route n'est pas des meilleures et les vents ne sont pas favorables. Choisissant une autre voie, les concurrents nous prennent une centaine de milles. Finalement, nous arrivons à hauteur des Canaries. Et là, Côte-d'Or se prend pour un sous-marin et commence à enfourner. Sans doute, y a-t-il trop de poids à bord? À l'escale de Cape Town, faudra changer la quille pour avoir une meilleure stabilité, mais surtout pour la sécurité. Mais la route continue sur la Grande Bleue. Nous approchons du poteau noir qui, bien sûr, nous encalmine et nous oblige à faire du surplace. À sa sortie, nous passons l'équateur. C'est le moment de baptiser ceux qui le passent pour la première fois. Comme de coutume, les déguisements et les farces filent bon train. Après la quille, la coque à son tour fait des siennes, ce qui nous contraint à nouveau à faire des détours et à accumuler le retard. Y arrivera-t-on? Après vents et marées, Cap Town pointe à l'horizon. Mais la déception est amère. Nous n'arrivons que troisième. Et le sort s'acharnant, à Cap Town, le comité de course pénalisera le Côte d'Or, car il n'est pas permis d'effectuer un changement de rating. Durant toute cette étape, la radio nous parlait de guerre civile à Cap Town. On était très inquiets. Mais en fait, si guerre civile il y a, elle ne se passe que dans les townships. Notre inquiétude fut bien sûr causée par des informations démesurées. Quant à l'escale, n'en parlons pas. Elle fut truffée de réparations. Dites, c'est quand les congés ?
Mais il est temps de reprendre la mer vers Auckland. Nous avalons les milles malgré une météo qui laisse à désirer. Et les problèmes s'accumulent. Coque, secteur de barre, tête de mât. Notre morale est à zéro. Mais malgré cela, on se battra pour arriver à Auckland. Toute la vie à bord est régie par les vacations radio. L'une à 11h, l'autre à 23h. C'est l'heure des petits potins. Des tactiques de course à prendre grâce aux positions des autres bateaux et les difficultés rencontrées par les autres concurrents. Et tout cela joue sur notre morale. Bon anniversaire, Alain. Toutes ces avaries nous ont permis d'avoir un peu plus de temps libre. C'était l'occasion de se construire un jeu d'échecs, histoire de se remonter le moral. Car franchement, on n'est pas sûr d'arriver à Auckland. Même les communications ne sont plus au rendez-vous. Pour ne pas changer, nous devons faire des détours et nous tenir à l'écart des fortes dépressions qui risqueraient de nous mettre en pièces. Une fois de plus, la malchance s'acharne. Le moral est au plus bas. Dans le livre de bord, à la place de destination Auckland, il est noté « Là où on pourra ». Il ne nous reste plus que la Richer, seule voile encore utilisable. Vogue la galère, advienne que pourra. De vague en vague, Côte d'Or taille sa route. L'année s'achève, une autre commence. On se rapproche de plus en plus du but. La Nouvelle-Zélande n'a jamais été aussi proche, plus que quelques milles. Nous apercevons déjà les sirènes multicolores et entendons les applaudissements. Les mêmes qui déjà hier, par radio, avaient fait battre nos cœurs, car ils fêtaient l'arrivée des autres concurrents. Les quais sont noirs de monde. Et malgré tous les problèmes et le temps perdu, on est sixième en temps réel. Et on a gagné le prix spécial de la course. En effet, nous avons battu le record du nombre de milles parcourus en 24 heures. Ce record est calculé entre les deux passages du satellite Argos. L'escale d'Auckland, c'est avant tout deux semaines de travail acharné pour mettre le bateau en état. Et enfin, quelques jours de congés bien mérités. Chacun de nous choisit la meilleure façon de les passer. Au programme, alpinisme, rafting, surf. Une régate est organisée pour les six maxi. La voile étant le sport national, la Nouvelle-Zélande la suit penchée sur le petit écran TV. Cette régate nous a remonté le moral. Car on s'est rendu compte qu'on avait, par rapport aux autres bateaux, un avantage, la vitesse. Quelques jours plus tard, nous prenons le départ de la troisième étape. Nous partons en tête, acclamés par 250 000 spectateurs, escortés par 7000 bateaux. Mais suivi de près par les autres. Nous emportons avec nous deux cadeaux, un avant de Rolls-Royce et une satanée sculpture maori. Porte-bonheur amenant les vents favorables, nous avait-on promis. Mais son voyage fut de très courte durée, car jamais les vents ne furent aussi mauvais que lors de la troisième étape. Cependant, celle-ci s'annonce bien. Les voiles ont été retaillées. On a limité le poids à bord.
ce qui, bien sûr, nous oblige à accepter des conditions de vie et de confort assez pénibles. Imaginez, manger sur un sac de voile accompagné d'une humidité de 100% qui nous obligeait de dormir tout habillés pour faire sécher nos vêtements. Le luxe, quoi. Et pourtant, le moral est au zénith. Tout est enfin OK sur le bateau. On est prêt à foncer. Tout baigne dans l'eau. Bon anniversaire, François. Happy birthday, Luc. D'ici peu, nous arriverons près d'un des points géographiques devenu un mythe au Royaume des Mers. Mais le Cap Horn n'est plus ce qu'il était. Non seulement il nous a accueillis avec un calme plat, mais il est passé totalement inaperçu vu qu'on l'a doublé en pleine nuit. Et encore une fois, c'est la météo qui va redistribuer les cartes à la sortie des Malouines. Coup de poker, la chance sourit aux autres, nous laissant arriver seulement en quatrième position. Il y a 4 ans, lors d'une autre régate, le régime militaire en Argentine n'avait pas été des plus accueillants. Mais cette fois-ci, l'accueil fut plus que grandiose à Punta del Este, Saint-Tropez de l'Argentine et de l'Uruguay. Regardez, on s'est vraiment pas embêté. De sport à disposition, vie nocturne endiablée, olympiade entre bateaux, soirée merveilleuse dans le cadre enchanteur que sont les haciendas, record du petit déjeuner le plus tardif, 16h. On a même acheté une Dodge pour des croûtons de pain. Quant au concours de cuisine entre les différents équipages, on était tout près de gagner. Dommage que l'ambassadeur de Belgique n'ait pas fait la différence entre le waterzooi à la gantoise et la bouillabaisse. La dernière étape se dessine. Les vacances s'effacent. Il est grand temps de remonter à bord pour de nouvelles aventures. Dernière étape. Nerveusement très fatigante, car les vents font la grève. On vogue à 40 000 par jour, alors qu'à la fin du voyage, nous parcourrons 325 000 par jour avec des pointes de plus de 20 nœuds à l'entrée de la Manche. Ça sent vachement le retour. La fin d'une grande aventure passionnante. Mais notre stress, on le gardera jusqu'à l'arrivée à Portsmouth, car rien n'est encore joué. On approche de l'Europe et en entendant les nouvelles, Kadhafi, Tchernobyl, les rapports Est-Ouest, on se pose pas mal de questions. N'oubliez pas qu'en mer, on est éloigné de tout cela. On sait déjà qu'on ne peut être premier, mais on ne laisse pas tomber. On se battra pour cette deuxième place et on l'arrachera de nuit.
Côte d'Or, deuxième à Portsmouth, deuxième en temps réel sur toute la course autour du monde. Et croyez-moi, si on a gagné cette deuxième place, si on est parti et revenu à 18, c'est grâce à une équipe bien soudée, à la volonté d'être gagnant et à la parfaite intégration du sponsor qui nous a jamais laissé tomber. De quoi rêve-t-on aujourd'hui? Peut-être de la prochaine course autour du monde qui se profile déjà à l'horizon.